Parler d'une ville, ce soir c'est l'histoire d'une ville nouvelle. Il y a 50 ans, Villeneuve-d'Ascq sortait de terre, une petite révolution. Elle se voulait être l'exemple de la modernité. Retour sur l'histoire de cette commune à part, Alix Guillot avec Emmanuel Quinard. Pardon madame, connaissez-vous Villeneuve en Flandre, s'il vous plaît? Non, je connais pas ça. Vous habitez où? Ici à Naples. Villeneuve, comment vous m'avez dit? Villeneuve en Flandre. Non, monsieur. Non, ne cherchez pas, Villeneuve en Flandre n'existe sur aucune carte. Villeneuve en Flandre, ou plutôt Villeneuve-d'Ascq, ne sortira de terre qu'en 1970, après la fusion des communes d'Anap, Ascq et Flers. Cet arrêté préfectoral, signé il y a 50 ans, marque la naissance de la ville nouvelle. Pendant quelques années, les paisibles villages se transforment en une forêt de grues. Pour passer de ça à ça. Et construire une ville de toutes pièces, ça passe par des détails très pratiques. Est-ce qu'il y aura des problèmes sur le plan des PTT? Je pense au nom de rue. Ah oui, parce que certainement que dans d'autres communes, il y a le même nom de rue, quoi. Ils seront obligés d'en débaptiser. Chose faite dès le deuxième conseil municipal. Eh bien, par exemple, on a ici donc la rue d'Em qui était à la fois à la commune de Flers et à la commune d'Anap. Et donc, on décide de conserver la rue d'Em à la commune, l'ancienne commune de Flers, tout au nord. Et la rue d'Em d'Anap devient la rue du 8 mai 1945. Une ville nouvelle pour répondre aux besoins de logements en plein baby-boom. Les habitations poussent comme des champignons pour accueillir à terme plus de 60 000 personnes. Quantité, mais aussi qualité. Villeneuve-d'Ascq se veut le symbole d'un nouvel art de vivre. L'idée, c'était de sortir de l'urbanisme des années 60, c'est-à-dire des tours et des bars, et de faire des logements, soit individuels, soit intermédiaires, comme autour d'ici. Après la construction, la reconstruction. Si toutes les infrastructures ont été bâties au même moment, elles arrivent aussi à leur pic de vieillissement en même temps. 50 ans plus tard, l'heure est aux rénovations.